approche. Qu'est-ce qu'il y a? Un mercenaire qui se fait appeler le porteur d'aigle est venu à Alponos proposer son aide. Un brave gars dont j'avais entendu parler. Alors je me suis dit, Megacles, ça c'est une dépense utile. Celui qui est venu à Alponos t'a menti. C'est moi le porteur d'aigle. Toi? Impossible. Oui. Bah, pour commencer, moi, j'ai un aigle. Oui, je vois bien, oui. Mais j'ai donné une petite fortune à ce porteur d'aigle pour qu'il prépare les villageois en cas d'attaque de pirates. À voir ton visage, ça n'a pas l'air d'avoir marché, cette histoire. Non, pas du tout, non. Ensuite, je l'ai envoyé négocier la paix, mais il a encore tout gâché. Les pirates vont venir et on va tous mourir. La prochaine fois, engage le vrai porteur d'aigle. Mais dis-moi, est-ce que le village d'Alponos a des miliciens? Pas assez, non. Mais si toi tu réussis à arrêter les pirates avant leur débarquement, je te donnerai tout ce qu'il reste dans le trésor. Je vais empêcher les pirates d'atteindre vos côtes. Ensuite, tu m'aideras à trouver ce faux porteur d'aigle. Et je t'aiderai même à le tuer. Il est temps de montrer à ces pirates ce que vaut le vrai porteur d'aigle.
capitaine n'est plus là-bas. Quittez vos postes. Ces pirates appartiennent à Poséidon, maintenant. Qu'est-ce qui t'a pris? Tu ne m'as pas entendu crier? Tu as coulé nos renforts! Tu n'as jamais parlé de renforts, je te signale. Seulement de pirates. J'ai envoyé un message aux navires marchands pour qu'ils déguisent leurs voiles, ressembler à des pirates et approcher discrètement. Ces navires transportaient des vivres et des troupes. Si j'avais su que c'était des renforts, je n'aurais pas attaqué. Il faut que j'arrange ça. Il nous reste du temps. Si nous parvenons à apprendre aux villageois à se battre, ils pourront repousser les pirates. Je vais le faire. Mais je ne vois pas d'armurerie. Où est le forgeron ? Depuis la venue de ce porteur d'aigle, il ne travaille plus. Il fabriquera des épées. Les villageois savent monter ? Plutôt bien pour des sauniers. Et il y a une éleveuse de chevaux en ville. J'irai la voir. Mais il ne suffira pas de les armer et de leur dire de se battre. Un seul homme est capable de les rallier. Il prétend qu'il est Ajax le Petit lui-même. Trouve-le et ramène-le. Quand j'en aurai fini, les villageois seront des guerriers.